Bon, la soirée hélicoptère, ça a chauffé. Monsieur Loiseau, il a fermé sa bouche. Tu sais pourquoi? La police est venue chez lui. Menottes, garde à vue, prison. Ouais, mais bon, il a mérité, il a saoulé tout le monde. Il va écoper d'une amende de 900 000 € et 15 ans de prison ferme. Ah, ça l'a calmé. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a déposé plainte à son tour pour viol. Ouais. Une retraitée de 82 ans a fait un truc horrible. Elle s'est jetée sur lui, elle l'a violée. Tu sais comment elle s'appelle? Tu la connais? C'est Madame la Truite. C'était horrible pour lui. Elle est complètement possédée, cette dame. Elle l'a déshabillée dans la rue Carnot, elle l'a violée. Il y avait tout le monde qui regardait. Le mec, Loiseau, il était par terre à poil et Madame la Truite était dessus en train de le violer. Personne n'a bougé. Au bout de la rue Carnot, tu sais, il y a un coiffeur qui fait l'angle. Eh ben, c'était là. Tout le monde regardait la scène. Non mais, oh, c'est du délire ou quoi? Non-assistance à personne poisson pané. Mais tout le monde les regardait naturellement. Il était à poil devant tout le monde. La Truite, elle était dessus. Elle l'a fracassé. Je comprends qu'on ait de la haine pour ce monsieur. Je comprends. Mais de le violer... Et elle a dit à la police, je suis devenue très agressive depuis que j'écoute une musique. Depuis qu'elle écoute un groupe qui s'appelle PNL. Je suis dans le merdier, je suis dans un cul-de-sac. Ouais, ta chatte, et ferme ta gueule, et ferme ta gueule. J'suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais, ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. Oh, les textes de dingue, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas une mamie de 82 ans d'écouter ce style de musique. Et c'est pas parce qu'on écoute de la musique qu'on devient forcément agressif. Oh, à son âge, on écoute du Tino Rossi, du Frank Michael, du Mike Brandt, je sais pas moi. Complètement possédée, la vieille. Mais elle est hyper dangereuse, cette meuf. Si tu croises Madame la Truite dans la rue Carnot, casse-toi. Serbe bien, monte-moi ça me convient.